Eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit action RPG du nom de Aerea qui est sorti sur Steam tout début juin, ça coûte aux alentours des 25€, c'est un titre que moi personnellement j'ai reçu via le site Gamemailer que je vous ai proposé en vidéo il y a quelques jours maintenant. Donc c'est un titre dans lequel nous allons avoir à sauver le monde, bien évidemment, mais dans un tout autre registre que ce qu'on a l'habitude de faire dans RPG, puisque là, les 9 instruments primordiaux ont été volés, ils sont détenus par des boss, et donc il va falloir récupérer ces 9 instruments primordiaux pour sauver le monde. Alors on a le choix entre 4 classes, nous aurons un chevalier, un archer, un mage ou encore un gunner. Moi personnellement j'ai décidé de débuter le jeu avec l'archer, tout simplement parce que c'est une classe à distance et que c'est ce qui me parlait le plus au moment où j'ai créé mon personnage. Donc on a toute une interface qui est en français avec un tutoriel qui est franchement des plus sympas à faire. Alors c'est un jeu, comme je disais, qui est enfantin, c'est pas un jeu pour les hardcore gamers. Il a d'ailleurs reçu sur Steam pas mal de notes assez mauvaises à ce sujet là alors c'est vrai que le jeu est relativement simple, mais il est intéressant à jouer. On se retrouve donc sur un hub sur lequel nous allons prendre des quêtes, nous allons également avoir des marchands dans lesquels nous allons pouvoir améliorer les statistiques de notre personnage, acheter des potions et améliorer les pouvoirs de notre personnage. Donc une fois qu'on aura avancé dans le titre, qu'on aura gagné de l'expérience, eh ben on reviendra ici. Alors c'est un titre qui se déroule un petit peu à la manière d'un Monster Hunter, j'ai envie de dire. On va prendre des quêtes chez les différentes personnes qui composent le hub et on va comme ça se téléporter via un ballon dirigeable, on va se téléporter de zone en zone. Donc il faut savoir que le monde a été découpé en plusieurs îles, c'est sur ces plusieurs îles que nous allons nous téléporter afin de résoudre diverses quêtes et diverses énigmes qui seront concluées bien évidemment par des boss. Vous le verrez en fin de vidéo, le premier boss que j'ai abattu afin d'obtenir le premier instrument primordial. Donc c'est un titre qui est bien évidemment qui comporte des succès Steam, qui est possible de jouer à deux en local et donc en coop, qui dispose de cartes Steam, qui est traduit en français. Il a été développé par Triangle Studio. C'est un action RPG franchement sympathique. Graphiquement, c'est assez joli. Voilà, ça se laisse parcourir tranquillement. Je comprends pas pourquoi le jeu a eu autant de mauvaises notes. Certes, il est simple. Il est vrai qu'au côté du niveau difficulté, il va pas demander énormément de difficultés. En plus, on peut retourner dans les niveaux pour farmer et donc augmenter son personnage si jamais on a du mal sur certains boss, mais je trouve que c'est enfantin. J'ai pas pu y jouer à deux, mais très franchement, pour jouer avec ces gamins à deux, je suis sûr que ça doit être super sympa. Donc moi, c'est un titre que j'ai décidé de vous proposer sur la chaîne tout simplement parce que bah voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai reçu une clé gratuite sur Kmailer. Et franchement, j'ai été surpris. Alors certes, il est un petit peu cher, c'est vrai, 24€, mais l'aventure se laisse très sincèrement parcourir. Il est bien écrit, c'est intégralement traduit en français. On va bien sentir l'évolution de notre personnage une fois qu'on va avoir amassé de nouveaux pouvoirs ou tout simplement de l'expérience. On va pouvoir aller affronter les boss. Les combats contre les boss sont... Ah, c'est sûr, ça va pas être du Diablo, hein. Voilà, vous attendez pas une difficulté des plus rebutantes, mais les diverses compétences des personnages se cumulent bien lorsqu'on joue à deux. On va pouvoir, par exemple, avec l'archer, mettre un coup de pied qui va éloigner les ennemis. Avec le tank, eh ben, on va pouvoir prendre des dégâts et rester au corps à corps. Je trouve que, franchement, c'est un titre qui est plutôt sympa. Le mage fait, lui, pour sa part, énormément de dégâts. Et donc, une fois qu'on aura réussi à battre les ennemis, eh ben, ça va nous débloquer de nouvelles quêtes. Il y a également tout un tas de quêtes annexes qu'on va pouvoir trouver. Donc au sein des niveaux, il va falloir retrouver par exemple des œufs, il va falloir retrouver des parchemins. Moi j'ai trouvé que c'était un titre, voilà, c'est assez frais, c'est dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de parcourir, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'un RPG basé sur la musique, c'est assez rare. Et là du coup, bah, on a franchement de très belles mélodies pour nous accompagner tout au long du jeu. Voilà, c'est propre, c'est frais, ça sera pas le jeu de l'année, mais très sincèrement, moi je l'ai trouvé agréable à jouer. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous en dire. Je vais maintenant vous laisser sur ces quelques images en vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis.